Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Au sommaire de l'actualité ce soir, célébration de la journée nationale du drapeau ce vendredi par les forces de sécurité gabonaises ponctuées sous le thème de la devise du pays, Union, Travail, Justice. Les détails de cette célébration dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, haute célébration ce jour avec la fête de l'Aïd el-Fitr par la communauté musulmane vivant au Gabon. Une célébration qui rentre dans le cadre de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et puis on parle d'un arrêté du gouvernement visant la réglementation de la commercialisation et la valorisation des déchets ferreux et non ferreux afin de réduire le coût des matériaux de construction à base de fer au Gabon. À l'ouverture de ce journal, la communauté musulmane du Gabon a célébré ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr. Les différentes mosquées de la capitale gabonaise ont été prises d'assaut par les musulmans, dont le principal objectif était de conclure en beauté le troisième pilier de l'islam. Kenyon Ngouri et Refuge Tsoga pour le reportage. Après l'accomplissement du troisième pilier de l'islam, qui consiste à jeûner pendant le mois de Ramadan, les musulmans du Gabon ont célébré ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr. Dans toutes les mosquées du pays, l'heure était à la prière, afin qu'Allah, le Très-Haut, accorde sa grâce puis le pardon aux musulmans du monde dans un message tout en arabe, langue par excellence de cette religion. وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. Le musulman doit s'acquitter avant toute chose de la zakat el-fitr, qui consiste à faire l'aumône aux nécessiteux en vue de leur éviter la manche en ce jour de fête. La prière de l'Aïd el-Fitr vient sanctionner le mois de Ramadan de l'an 14034 de l'ère érégienne correspondant à l'année 2013. La Croix-Rouge gabonaise a procédé à la remise des attestations de fin de formation qui aura duré 5 jours ce vendredi à son siège. Le sécourisme était le principal point de cette formation. Ce séminaire de formation a ainsi réuni quelques pays de l'Afrique centrale. Les détails avec Marlise Nguema et Fred Ndongo. Le centre de formation au premier secours de la Croix-Rouge gabonaise, en partenariat avec le centre de formation professionnelle au premier secours de Strasbourg, a remis ce vendredi des attestations pour la fin de la formation des formateurs venus des différents pays. Ces formations rentrent effectivement dans le cadre du soutien du CICR aux différentes sociétés nationales afin de pouvoir disposer d'un pôle de ressources humaines capable de répondre à tout temps et en tout lieu lors des catastrophes. Une secouriste qui répond dans une situation de crise montre la mission humanitaire du mouvement Croix-Rouge. Mais il y a un travail de préparation derrière à ce moment. Et je félicite toutes les sociétés nationales ici. Des formations sont organisées par des moniteurs expérimentés dans le premier secours. Premièrement, dans le premier secours, et également de pouvoir harmoniser dans la sous-région les gestes essentiels qui soient capables de pouvoir sauver et alléger les souffrances des personnes, des victimes lors des catastrophes mineures et majeures. Action de la protection civile et gestion des catastrophes, des outils pratiques pour les formateurs en formation de ce 9e module. Rappelons que chaque citoyen peut bénéficier des formations sur le secourisme au siège de la Croix-Rouge gabonaise. Par ailleurs, la formation continue des journalistes de la presse publique et celle du privé a pris fin hier à la maison Georges Rahuri de Gabon Télévision avec le 9e module axé sur les fondamentaux de la radio et ce en présence des responsables du ministère de la communication, du président et du vice-président Louis Kemayou et Christian Mambou de l'association de la presse panafricaine. Le point avec Martial Tsonga et Refuge Tsonga. Les journalistes stagiaires gabonais viennent de passer 9 mois pour 9 modules de formation continue. Au terme de ce rendez-vous du donner et du recevoir, les bénéficiaires apprécient. J'ai apprécié le dynamisme du groupe, le sérieux et la rigueur de tous les formateurs. On ressort de là avec
Beaucoup de nouvelles choses qu'on a apprises. Le monde de la communication est un monde qui bouge et qu'il faudra que nous soyons tous à la hauteur des enjeux qui nous sont proposés. Satisfaite, la formatrice ne cache pas son enthousiasme. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec les journalistes gabonais. Je trouvais que beaucoup étaient très motivés et qu'on a pu créer une belle synergie, d'ailleurs pour faire une émission ensemble. Donc je suis très contente. Voilà ce qui satisfait aussi le ministère de la Communication. Nous profitons de cette occasion, la clôture de ce dernier module de formation continue, pour remercier encore chaleureusement les responsables de l'Association de la presse panafricaine, qui est ici représentée par son président et son vice-président, qui sont dans nos murs depuis quelques jours. Nous les remercions pour la qualité du choix porté sur les différents formateurs, qui tous avaient une haute vision de l'Afrique, une haute vision du secteur de la communication et du journalisme. Rappelons tout de même que les journalistes recevront leur parchemin ce lundi 12 août à 10h à la maison Georges Rawiri de Gabon Télévision en présence des responsables de l'APA et des membres du gouvernement d'Anxima. Parlons à présent des forces de sécurité gabonaises qui ont tenu ce vendredi 9 août à célébrer la journée nationale du drapeau placé sous le thème de la devise du pays « Union, travail, justice » en exposant leur matériel de travail afin de permettre aux Gabonais de connaître davantage ces métiers nobles. C'est un reportage de Marlise Nguema et Fred Dongo. Police, gendarmerie, armée de l'air et de terre, marine et autres corps habillés sont présents pour exposer la vie des casernes en édifiant le public durant la journée du drapeau. Le stand de la gendarmerie a prévu aujourd'hui de présenter le recrutement, parce que le thème de cette année-ci, c'est la devise de la République, union, travail, justice. Bon, nous avons retenu le recrutement parce que à travers le recrutement, qui est un recrutement national, c'est un moyen, comme tout autre, d'amener l'ensemble des Gabonais à se retrouver, à se connaître. Le stand, c'est en commémoration de la journée du drapeau. Donc ici, c'est pour inciter les jeunes Gabonais, notamment à l'esprit patriotique. Donc la journée, le thème aujourd'hui, cette année, c'est Union, Travail, Justice. Donc l'armée de l'air s'inscrit dans ce triptyque. Puisque nous entrons dans ce cadre, à valoriser la patrie. Je crois que le citoyen devrait d'abord s'approprier les vertus cardinales de l'étendard. Et c'est justement cela qui constitue l'essentiel de cette journée-là. Les Gabonais et Gabonaises sont désormais édifiés sur les modes de recrutement, les carrières, les risques dans les différents métiers de corps. Être un citoyen gabonais exige de chacun un grand respect de son étendard et de sa patrie. Et puis le gouvernement a décidé de réglementer la commercialisation et l'exploitation artisanale et industrielle des rébus ferreux et non ferreux, une décision matérialisée par la signature d'un arrêté visant à valoriser les déchets ferreux et non ferreux et à réduire le coût des matériaux de construction à base de fer. Pour coller à cette décision, Douglas Tuntum et Refu Itsoga ont rencontré quelques acteurs de cette activité encore illégale au Gabon. Regardez. Valoriser les déchets ferreux et non ferreux et à réduire le coût des matériaux de construction à base de fer d'une part et asseoir l'industrialisation de cette filière sont entre autres objectifs visés par le paraphe de l'arrêté gouvernemental qui vise à organiser le commerce de la ferraille au Gabon. On sort en matinée et puis on va dans les recherches un peu dans plus différents quartiers afin de pouvoir recycler, afin de pouvoir trouver un bon stock et revenir ici. Le peser et puis avoir quelque chose. Cette activité encore illégale, détenue par les expatriés au Gabon, polarise quelques jeunes Gabonais car elle nourrit bien son homme. Si le gouvernement régule ce petit métier-là, nous demandons au gouvernement de nous créer aussi des structures dans ce qu'ils vont créer, parce qu'ils ne vont pas supprimer ça totalement. Ils vont créer des petites structures afin que les jeunes Gabonais aussi puissent être occupés dans ce petit métier-là. Ici, le maître des lieux, c'est lui. Pas bavard, pourtant, à la tête d'une grosse structure qui excelle dans l'exportation métallique, produit de recyclage. Si le gouvernement a décidé de régler, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à nous mettre dans une bonne condition. C'est ça qu'on souhaite.
Deux structures sont mises en place, dont une en coque d'une capacité de 50 000 tonnes par an, devrait démarrer en novembre 2013 et générer 350 emplois directs. L'autre à Kango, d'une capacité de 200 000 tonnes par an, générant 100 000 emplois directs d'ici à décembre 2014. À 24 heures du match Gabon-Cameroun, comptant pour le dernier tour qualificatif au championnat d'Afrique des Nations, la confiance est de mise chez les Panthères qui doivent combler le handicap de 1-0 encaissé à Yaoundé. Mamadou Niang et Refui Toga. À quelques heures du match Gabon-Cameroun, comptant pour le dernier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations, prévu samedi au stade Monedan, la confiance est de mise chez les Panthères qui ont tiré les enseignements de la confrontation de Yaoundé. Nous avons eu le temps d'analyser l'adversaire et de préparer la stratégie pour contrer cette équipe assez véloce qu'elle est, bien sûr. Donc, tout est fin prêt pour ce match samedi. Donc, l'effectif est là, le groupe est au complet, le moral y est, il n'y a aucun problème d'ordre administratif ou d'ordre matériel. Donc je pense que le moral des garçons est au beau fixe. Attaquer sans se découvrir, telle sera la stratégie des partenaires du capitaine Bitseki Moto pour combler le retard et obtenir le ticket qualificatif au CHAN Afrique du Sud 2014. L'équipe adverse a une attaque quand même qui percute, donc il va falloir être aussi vigilant en arrière et déterminé en attaque, parce que 1-0, c'est tout reste à faire. Donc il ne faut pas qu'on se précipite vers le but tout en oubliant l'arrière-garde, parce que le plus important pour nous, c'est de ne pas encaisser. Donc il va falloir être assez méthodique pour gagner ce match. Présent aux deux dernières éditions précédentes, le Gabon rêve d'une troisième participation consécutive au rendez-vous continental de la CAN réservé aux footballeurs évoluant en Afrique. Voilà qui met terme à cette édition d'information. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Excellent début de week-end à tous. L'information continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à très bientôt sur Gabon News.